Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 16 au 20 mars. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 16 et le 20 mars, eh bien c'est l'ange Mumia qui est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Mumia porte la vibration numéro 72. Dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le dernier ange, donc le huitième ange de la famille du royaume des anges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Je voudrais vous remercier pour votre écoute, d'avoir été là toute cette année, parce que nous clôturons le calendrier angélique avec cet ange, ce bel ange Mumia, qui est un ange guérisseur, n'est-ce pas? Je vous remercie vraiment du fond du cœur, avec toute ma gratitude. Ça a été un réel plaisir de passer cette année avec vous. Et pour maintenant les prochaines vidéos, je reprendrai les vidéos que j'ai fait l'année passée à partir du mois de mars, donc avec le premier ange. Je voudrais vous dire que nous avons passé une année pas comme les autres, avec la Covid-19. Semons de l'amour, donnons de l'amour autour de nous, envoyons de l'amour. Vous savez que l'amour règne la haine sépare la colère sépare et l'amour régnera toujours en vous elle régnera toujours. Donc, aimons-nous les uns les autres. Prenons soin de notre voisin, de nos amis, de nos parents, de nos collègues. Soyons humains. Je suis émue parce que c'est la dernière vidéo du calendrier angélique, ça m'émeut. Demandons à Mumia d'aider tous ceux qui sont en souffrance intérieure. Et envoyons cette belle lumière. L'ange Mumia fait partie de la Séphira numéro 9, Yézot, et c'est l'archange Gabriel qui y régit. Et Mumia, la signification de son nom, c'est Dieu de renaissance. La Séphira Yézot, centre producteur d'images, cette Séphira projette la conscience supérieure, représentée par la Séphira Tiferet, vers le bas, donnant lieu à l'acte physique. Ce faisant, elle recueille la synthèse des commandes des autres Séphirot pour la transmettre à la matérialité, pardon. À l'inverse, elle canalise vers le haut l'information provenant de la Séphira Malkout, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances acquises par nos actions dans le plan physique, n'est-ce pas?
la transmettant ainsi à la conscience supérieure. Et dans le plan physique, cette séphira se manifeste symboliquement par la lune, qui représente entre autres la réceptivité, la polarité féminine, l'imagination et la fécondité. Sa qualité de neutralité lui permet de transmettre, de densifier et de cristalliser les élans reçus sans les altérer. Il y a une dixième séphira qui est la séphira Malkout, et c'est ce centre de vie qui représente le moi physique, et il est associé, eh bien, tout simplement à la planète Terre. Il concerne donc la matérialité. Alors, la famille du royaume des anges, ce cœur est le plus proche des humains, qui guide sur le sentier de la réalisation. Il leur facilite l'accès aux valeurs spirituelles auxquelles ils donnent forme dans le monde concret et élèvent les requêtes humaines vers les sphères supérieures. Alors les anges, eh bien, encouragent à prendre du recul par rapport aux perceptions sensorielles immédiates afin d'éviter de se laisser emprisonner par l'émotionnel et l'illusion. Changer sa façon de voir, d'écouter, de sentir, de toucher, eh bien, ouvre l'accès au véritable ressenti. Et ces êtres de lumière, n'est-ce pas, incitent à se dégager, eh bien, tout simplement des préjugés et accordent la capacité d'introspection qui permet à chacun de découvrir sa face cachée. La couleur qui leur est associée, eh bien, c'est le vert, intermédiaire entre les couleurs chaudes associées au corporel et les couleurs froides du spirituel. L'harmonisation de ces deux valeurs, à l'image de l'équilibre entre le corps et l'esprit, eh bien, favorise la santé. Et le vert, c'est la couleur du printemps, n'est-ce pas? Elle est associée à la vie, mais pas que, elle est associée à la renaissance. Alors ce bel ange Mumia, l'ange de l'expérience et de l'aboutissement heureux de tout projet, il accorde la réceptivité spirituelle et favorise l'ouverture à un nouveau cycle, perçu comme une renaissance, n'est-ce pas, puisque son nom, c'est Dieu de la renaissance. L'ange Mumia est un ange guérisseur, comme je vous l'évoquais au début de la vidéo. L'invoquer pour soulager les victimes de maux que personne n'a su apaiser, par exemple, pour permettre des rétablissements miraculeux ou apporter des rémissions dans les cas graves. On peut l'implorer lorsqu'on est dans un état d'épuisement physique et nerveux afin de retrouver la vitalité et le bonheur de vivre. Cet être de lumière, n'est-ce pas, accorde une longue existence, une vieillesse douce et une fin de vie harmonieuse. Alors l'ange Mumia, il connaît le secret de la vie. Il amène la réceptivité dans tous les corps de toutes choses. Il nous permet de sentir tout ce qui constitue chaque particule de matière et quelle est la nature et l'empreinte de toutes choses. Il nous permet de sentir par le ressenti de la matière et de toute mémoire gardée dans cette matière. Car tout objet, toute chose garde une empreinte du lieu, une empreinte des personnes, des événements avec lesquels ils ont été en contact. C'est nos mémoires cellulaires, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi être dégagés de certaines empreintes et retrouver une nouvelle joie et une nouvelle source de lumière. Cette énergie qui, de cet ange qui enseigne, qui transforme, qui crée une grande sagesse, eh bien, la sagesse du Créateur acquise.
Alors, l'ange Mumia représente aussi l'énergie d'une fin de cycle qui amène un renouveau et une renaissance, de nouvelles naissances et les bases d'une ère nouvelle. Il nous permet de mieux vivre cette transition, de la gérer et de nous préparer à ce qui doit venir. Il est aussi celui qui aide à clôturer tout travail, toute énergie, tout événement ou relation qui n'a plus de raison d'être, mais qui demande qu'autre chose soit vécue ou expérimentée, puisque nous sommes ici en expérimentation. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes venus ici, nous nous sommes réincarnés pour expérimenter, pour apprendre, pour acquérir les qualités, les vertus. Alors l'ange Mumia est un ange de la renaissance. Il place le germe d'une nouvelle vie, des réalisations concrètes, eh bien pourront être mises en route avec de nouvelles façons de penser. Je termine une étape pour en recommencer une autre, avec une nouvelle vision sur ma vie. Laissez derrière vous ce qui n'a plus être à être actuellement. Mumia accorde la compréhension de la loi de la réincarnation. Pourquoi suis-je né dans ce pays? Pourquoi suis-je né dans cette famille? Eh bien, je peux trouver ces réponses en méditant avec ce bel ange Mumia qui apportera les clés de la compréhension par rapport aux anciennes vies, nos vies antérieures déterminent notre vie ici présente. Et avec ce bel ange Mumia, c'est l'accessibilité à la mémoire pour mettre en phase terminale tous les comportements erronés que nous avons enregistrés dans des vies passées. Et ainsi, nous pouvons comprendre que nous récoltons ce que nous avons semé, aussi bien pour le positif que le négatif. Alors acceptons notre plan de vie pour renaître dans la confiance. Alors, je peux reconnaître mes autres vies à travers mes goûts, mes affinités, mes voyages, ma famille. Ce sont des points de repère, n'est-ce pas, qui indiquent autant vos forces que vos faiblesses. Il existe la vie après la vie. Mumia aide à mourir de vos peurs, à vos doutes, à vos limitations, pour vous faire comprendre l'autre frontière, les autres dimensions. Mumia vous aidera à comprendre quelles parties de vous doivent mourir pour laisser la place pour la naissance de quelque chose de nouveau, en laissant tomber les armes humaines et en utilisant les armes spirituelles pour placer en vous le germe d'une vie nouvelle. Ce bel ange Mumia est l'ange qui accompagne aussi les morts vers leur nouvelle vie et fait aussi cela avec les vivants. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Avec ce bel ange Mumia, eh bien, il vous aidera à terminer ce que vous avez commencé et vous guidera dans votre volonté d'ouverture de votre conscience. Alors, comme l'ange Mumia est un ange guérisseur, il vous confiera
ses secrets, mais pour cela, il vous est demandé d'effacer de vos mémoires le côté négatif de vos vies présentes et antérieures et utiliser les vertus acquises parfois au bout de longs efforts ou parfois de dures épreuves. Privilégiez les rapports avec vos proches, dialoguez, échangez, aimez, touchez du regard, de la main, du cœur. Toutes ces armes sont à votre disposition. Ce sont les armes de l'amour, les armes de votre âme. L'émotion est une arme, un outil mis à notre disposition pour notre bien-être et celui des autres. Alors, n'hésitez pas, demandez à ce bel ange Mumia de vous guider afin de bien finir cette saison angélique et redémarrer la suivante sous sa protection. Il se fera un plaisir de vous accompagner, de vous prodiguer ses soins pleins de sagesse, remplis d'amour, n'est-ce pas? Mumia est l'ange lunaire par excellence, car il est la quintessence d'une part de tous les anges qui le précèdent. Sa nature lunaire fait que tout le travail accompli depuis un an va se matérialiser dans votre vie. À la veille de ce printemps si particulier, vous allez ressentir de manière plus profonde le transfert d'une vie à l'autre, de l'ancienne façon de vivre à la nouvelle, encore plus exaltante, car avec des énergies tellement positives, croissantes en vous et autour de vous. Nous en venons à la prière de avec l'ange Mumia. Oh bel ange Mumia, toi qui clôtures cette année angélique, ange sublime des renaissances, des réincarnations et des changements, fais que dans ma nature fasse irruption la divine chimère de l'or, fais que la fin de lumière, de savoir, de pureté puisse condenser dans ma nature psychique, c'est-à-dire dans mon âme, pour qu'elle devienne, eh bien, la mère féconde d'une vérité plus haute que mon être. Bel ange Mumia, fais renaître en moi tous les principes qui ont porté le monde à sa plénitude, afin que ton protégé et humble serviteur puisse être pour les autres le porteur de, eh bien, de ton nouveau renouveau, porteur de santé et de longue et heureuse vie, messager de tes mystérieux dons et pouvoirs qui font de nous, eh bien, des êtres victorieux, paisibles et plein d'amour. Merci, ange Mumia, avec toute ma gratitude. Nous arrivons aux qualités et aux distorsions humaines de ce bel ange Mumia.
Et dans les qualités, on retrouve renaissance, grande réceptivité, faculté médiumnique, expérience mystique, nouveau commencement, haute initiation qui produisent des transformations majeures et amènent de nouvelles connaissances, place le germe d'une vie nouvelle, compréhension de la loi et de la réincarnation et de la manière dont se manifestent les affinités sur les différents plans. Début de la transformation et de la mutation angélique. Annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Porteur de conclusion, aide à terminer ce que l'on a commencé. Réalisation concrète, matérialisation, touche la médecine et la santé. Phase terminale dans laquelle se trouve le germe du renouveau. Accompagnement des mourants. Grande expérience de la vie. Et nous terminons dans les qualités, ouverture de conscience. Dans les distorsions humaines, nous retrouvons difficulté à terminer un cycle et ou à commencer un nouveau. Peur des expériences mystiques dues à un manque de connaissances et de compréhension spirituelle et métaphysique. Craint les initiations et l'évolution de sa conscience, préférant continuer à vivre avec une conscience ordinaire. Ignorance ou fausse compréhension du principe de la réincarnation et de la vie éternelle, ou refus d'y croire. Désespoir, voie sans issue, horizon bouché, dépression, tendance à abandonner, à nourrir des ambitions négatives et de vieux schémas, difficulté à s'ouvrir à la spiritualité et au Créateur, à développer une nouvelle conscience et à vivre en accord avec elle. Athéisme, mort inconsciente, suicide, renie sa propre existence, influence négative, mauvaise santé, handicap, écroulement, ruine, perte d'emploi, de conjoint, d'amis, etc. Passe une expérience à l'autre sans comprendre, cherche à convaincre, va à l'encontre de l'ordre naturel, force la matérialisation, science et connaissance employées sans conscience, et nous terminons dans les distorsions humaines, manque de réceptivité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez en dessous de cette vidéo dans les commentaires votre date et heure de naissance. Je les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, et une autre vidéo sur les lois divines. Alors je vous remercie toutes et tous de votre écoute angélique de toute cette année. Je remercie tous les abonnés avec gratitude. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Encore un tout grand merci pour cette année angélique. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo avec le premier ange du calendrier angélique, et ça sera l'ange Vehuya, qui est évidemment porteur de la vibration numéro 1 dans le calendrier angélique des 72 anges, et qui régira du 21 au 25 mars. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté, et continuez, pour celles et ceux qui cheminent, à travailler avec les 72 anges
Parce que nous ne pouvons pas rectifier toutes les distorsions sur un an de temps, de nos vies antérieures et de nos propres, et de notre propre vie ici sur Terre. En travaillant chaque ange toute l'année, ça nous permet de rectifier une distorsion et de pouvoir travailler avec les 72 anges. Donc voilà, je vous embrasse. Je suis émue parce que bon, c'est le dernier ange. Ici, je reprendrai les vidéos du mois de mars 2020. Non, oui, 2020, oui, voilà. Et voilà, je vous remercie vraiment encore une fois. Prenez soin de vous, ça c'est important. Et dans la douceur, prenez soin de vous dans la douceur. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, il n'y a personne qui prendra soin de vous. Vous seul pouvez prendre soin de vous. De votre intérieur, de votre petit cœur, de votre âme. N'oubliez pas, vous êtes le capitaine de votre vaisseau. Prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous aime, je vous embrasse, à tout bientôt. Bon cheminement pour celles et ceux qui cheminent dans cette voie.